Ça se trouve, vous avez peur. Mais nous aussi, on a peur. L'équipe est de retour au domaine où tant d'événements nous ont tourmentés. Il est toujours de plus en plus difficile d'avancer dans cette quête de réponses sur le monde de l'invisible, où la science et la croyance ne trouvent pas toujours terrain d'entente. Chaque enquête renforce notre savoir. Même si le poids sur nos épaules est de plus en plus lourd, nous continuons. Les expériences paranormales sont à double tranchant. Elles nous incitent à repousser nos limites car l'interrogation nous ronge. Mais la peur n'est jamais très loin. Cette enquête ne va rien arranger. Vous regardez Enquête d'entité paranormale. Le château de style néo-gothique a été construit au 19e siècle sur les fondations d'un château bien plus ancien dont la dernière pierre fut posée au Moyen-Âge. Depuis, cette demeure eut bien des utilisations au cours des derniers siècles, d'une colonie de vacances à une école de police féminine jusqu'au château du 15e siècle. Bien des histoires ont imprégné les murs de ce lieu. Les derniers acquéreurs d'origine suisse et allemande voulurent créer un hôtel de luxe, mais après le décès de l'un d'eux, le projet fut abandonné ainsi que le château qui aujourd'hui recèle bien des mystères. Bon, salut tout le monde, là on se retrouve, alors on fait vraiment un petit débrief très rapidement, on s'est fait un petit feu. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc là il y a Théo qui est ici et Baptiste, on nous voit pas très bien. Ouais. On a été faire du repérage comme d'habitude, comme on fait dans tous les lieux, on a été dans les caves du château, que vous connaissez très bien, c'est là qu'il y a eu le jet de pierre, on est retourné là-bas. Et en allant à la porte, comme dans l'épisode précédent, le K2 s'est énervé comme la dernière fois, et là on a entendu un gros boum. Ouais. Comme la dernière fois. Alors qu'on n'était pas en bas, quoi. On était ouais, encore. Ça. On avait fait l'erreur de pas prendre de caméra. Ouais. On a fait l'erreur, on y a été à chaud comme ça. Ouais, c'est ça. Bon, on voulait juste faire du repérage au début, puis je pense qu'on s'est dit, oh, pour l'instant, il n'y a pas le matériel, il y aura rien. Et ouais, c'est l'erreur qu'on a fait, quoi. Si je peux parler juste. Vas-y. Ouais. Moi, de base, je regardais tes enquêtes, tu vois, surtout sur l'ordinateur. J'ai un œil assez critique sur certaines choses. Je dis pas que je n'y croyais pas, parce que c'est pas le cas. Après, moi, j'ai décidé de faire aussi des enquêtes pour pouvoir y croire aussi, je pense. Et là, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Entendu, ouais, surtout. C'est surréaliste, quoi. Ça a dépassé l'entendement. J'aurais mis la montre que t'as fait, qu'on n'a pas emmenée. Si ça fonctionnait vraiment, je sais pas combien j'étais. Mmh. Ouais, moi aussi, j'ai eu peur déjà, même quand je suis entré, et j'ai eu une sensation. Ouais, de mal-être. Et Théo, vas-y Théo, je pense que tu vas en parler mieux que. Bah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Vas-y, enfin, après ce qui s'était passé, l'enquête dernière, là où je suis allé à l'hôpital et tout, à cause de la pierre. C'est vrai que ça fait assez bizarre en fait quand on y retourne et qu'au même endroit, au même moment, il y a encore le bruit, le K2, et puis on n'est même pas descendu, il y a eu déjà un gros boom.
On n'a pas pu là, et puis on a, coup, on n'a pas pu descendre. Non, on a pas, là, descendre. On a même pas pu descendre. Ouais, quoi. Donc c'est là que je me dis, putain, bah, pff, quand même, je sais pas, c'est chaud, c'est très, très, très chaud. Je sais pas comment je peux le prendre, comment on peut l'apprivoiser, l'appréhender, je sais pas du tout. Bah, c'est qu'on est vraiment, on s'est dit, bon, allez, on y va vraiment, tu vois, en mode. On voulait pas commencer l'enquête, quoi. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Et d'un coup. Bah, il y a eu le bruit, surtout bah, toi Baptiste, comme tu disais, toi tu l'as vécu. Bah, moi je l'ai vécu, moi j'ai, derrière ton ordi, quand, était, début, puis... quand on allait sur le lieu, à chaque fois, la dernière fois on a voulu faire une enquête, mais excusez-moi c'est la fumée. On a voulu, il y a eu la sécurité donc on n'a pas pu le faire, j'étais vraiment déçu. J'étais vraiment là pour pouvoir vivre ça, une expérience. Ouais, une expérience, et pas que j'y croyais pas, mais voilà, on prend ça avec du recul, quand on est derrière un écran surtout. Mmh. Et là honnêtement, pour moi, c'est une preuve du paranormal. C'est une preuve. C'est pas possible. On peut pas avoir un coup. Pour moi, c'était pas une pierre là. Là, c'était pas une pierre. Non, c'était un coup de paume là, sur une porte. Soit un coup de paume, soit un coup de pied. Enfin... Mais c'était dur. Ouais, ça peut pas être ni un animal, ni quoi que ce soit. Non. On n'est pas descendu, mais avec l'enquête qu'il y avait avant, c'est surréaliste quoi. Il peut pas y avoir deux personnes au même endroit, au même moment, sachant qu'on dit jamais qu'on. On dit jamais oui, elles on auraient, part elles en auraient plus peur que nous. Attends, ouais. Attention, elles sont dans le noir toutes seules. Je vois pas comment dans ça, la c'est cave possible. En plus. Attends, ouais. tu peux pas, c'est impossible. Donc c'est surréaliste. Moi je pense qu'il y a eu un décès ou quelque chose comme ça. Tragique, un truc question. Tragique. Je l'ai posé en plus la question. Bah, j'ai posé et ça. Le cadeau a réagi quand j'ai demandé si quelque chose s'était passé ici. Il a réagi très très gentiment en plus, je crois. Oui, il c'était a, pas méchant. Au début, tranquille. Il a fait genre 2-3 lettres. La claque et puis. Mais c'est tout. Mais il était vraiment énervé. Enfin, moi je le ressens comme ça en fait. Quand on franchit la porte, t'as la porte, t'as l'escalier en face, et dès qu'on est à la porte, comme un peu un agent de sécurité à l'entrée d'une boîte, enfin c'est un exemple. Ouais, c'est tu vois, ça, c'est exactement ça. C'est genre, pas, tu rentres non. pas, sinon il va t'arriver quelque chose, machin. Mm. C'était exactement comme ça que je l'ai ressenti, et c'était vachement fort quoi. On était encore dans la LED rouge quoi. Enfin c'est. Ah nous on était là, moi j'étais pas bien. Ouais. Honnêtement, je suis. J'essaye de toujours me dire bon attends prendre sur toi voilà. Dire c'est... Après je suis aussi très peut-être à me dire bon c'est peut-être dès que j'entends un bruit je me campe, mais là c'était pas un bruit quoi. C'était vraiment le bruit, c'est pas possible. Ah, c'est ça. Pour vous dire, Théo hésite même encore à retourner sur le lieu quoi. Au début à chaud il voulait plus. Ouais. Il voulait plus. Je sais pas, en fait j'hésite, je vous le dis clairement. J'ai pas envie de revivre la même chose que la dernière fois. Vous êtes très, très au courant de ce qui s'est passé. Même vous m'avez envoyé beaucoup de messages de soutien. Ce qui est très gentil. Mais voilà, si quand on y retourne, il se repasse exactement la même chose, mais un peu en pire. C'est pire parce qu'on n'est même pas descendu et il y a déjà un gros bruit comme ça. Là, je me dis. Il était quelle heure d'ailleurs? Je sais pas du tout. Ouais, il doit être allé 22h, même pas 21h30, 21h. Ouais, quand il y était. Mais ouais, c'est pas du tout l'heure normalement des événements. Et là, puis moi qui est assez croyant, j'ai ressenti un truc, j'ai l'impression que c'est démoniaque. Et puis, j'ai pas envie d'y aller en fait, parce que je sens qu'il va m'arriver quelque chose. Et puis j'ai pas envie de revivre ce qui s'est passé dans le dernier. Ouais, j'ai pas envie de revivre parce que je sais qu'en plus là, ça va être un peu plus fort vu que. J'avais l'impression que c'était comme un avertissement la dernière fois. Et là vraiment non, si je le sens pas, moi je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas que je suis faible, le truc comme ça, c'est que j'ai pas envie en fait d'y retourner, c'est mon choix. Les gars iront, mais si j'ai pas envie d'y aller, voilà, j'irai pas. Moi, le truc c'est ça. Que nous on va y aller parce que moi j'ai peur. J'ai très peur, je me dis c'est pas possible. Enfin je veux dire si on y va, qu'est-ce qui peut se passer? Mais d'un autre côté, j'ai quelque chose qui me dit ok mais demain, quand tu vas pas y quand tu veux t'en aller, tu vas te dire bah, j'ai pas été. Et vu ce qui s'est passé, enfin je veux dire j'aurais 10-12 ans. Alors je te comprends tout à fait, hein, chacun a ses motivations et tout ça. Et je veux pas prendre de risques. Voilà, moi je respecte tout à fait ce que tu penses. Mais moi personnellement je vais me dire c'est difficile quoi, je sais pas ce que ça va pas me hanter. Mais ouais, ça va te tourmenter, tu vas te dire putain. Mais je pense que toi aussi au final, mais tu préfères la carte quand même. Ah moi je c'est la carte. Tout à fait normal de laisser la sécurité parce que je te comprends. Ouais voilà c'est ça, c'est que je me dis en fait on est humain, oui, voilà, comme on dit.
YouTube, c'est une plateforme où on poste nos vidéos, où on fait nos explorations nocturnes et tout. Mais moi, je me dis que si on court un danger, si je sens que je cours un danger pour ça, moi, je vous le dis clairement, je ne fais pas. Parce que YouTube, c'est un divertissement et je ne vais pas prendre de risques pour ma santé juste pour... Enfin, c'est pas pour les vues, au bout d'un moment. Et ça, vous êtes... je pense que vous le comprenez tout à fait. C'est faut pas être... Ouais, c'est ça, faut pas que ça empiète sur notre santé ou quoi. C'est bien d'avoir des résultats, machin, tous les gens qui nous suivent sur YouTube. Voilà, exactement. En même temps, si vraiment ça s'attaque à toi, parce qu'on sait pas, le monde du paranormal, c'est inconnu. C'est t'y crois, t'y crois pas, mais voilà, c'est quelque chose et on en est faible parce que la peur en fait nous ronge. Et là, le fait de rien qu'un seul coup, honnêtement, moi je connais bien Jordan, c'est mon beau-frère. Il est pas du genre à tout de suite s'exclamer pour le moindre petit événement. Il est très dans le rationnel, très dans ça peut être ça, ça peut être ça. Souvent, moi je dis, t'as écouté. Et là, il me dit, ah, c'est bon, c'est ça. Mais là, honnêtement, je dis, je l'ai vu. Ouais, là, c'était vraiment. T'as eu peur. Ouais, c'était pas comme d'habitude. Là, je me suis. Non, là, c'est. Et puis, c'est. Ça peut, c'était ça puissant peut pas être aussi. Il n'y a pas de vent. Je pense qu'on le voit, de toute façon, il n'y a pas de vent. Il n'y a personne dedans le lieu. Vous l'avez vu, de toute façon, dans la vidéo que j'ai dû faire avant ou autre, toutes les fenêtres sont fermées, elles sont vitrées, fermées avec des barreaux. Il n'y a aucune entrée possible, quoi. Il n'y a personne qui a pu rentrer dedans. Et même, on a fait croire qu'on est 5 et tout pour essayer d'intimider. Ouais, on est armé et tout ça. Mais... Voilà, pour qu'au cas où on s'est dit, s'il y a quelqu'un, il va te dire OK, excusez-moi. Il n'y a rien. On aurait pu descendre, mais on pouvait pas. Moi, je ne pouvais pas. On aurait pu descendre. On aurait pu, je pense. Mais... Non, là, mais même là, on hésite à moitié. Donc, oui, voilà, c'est ça. Sur le coup, on aurait pu. Mais je pense que aussi, il y a beaucoup de commentaires qui disent ouais, vous auriez dû y aller direct, descendre et tout. Mais c'est que vous n'êtes pas en fait. Il y a une barrière. Oui, il y a une barrière de l'écran déjà, ça c'est sûr. Vous êtes pas avec nous. Et quand on est avec nous, quand on vit le truc, et ben on l'apprend vachement autrement. Donc il y a quelque chose qui se passe derrière ton écran. Tu te dis j'ai envie d'y aller. Ouais. Mais tu serais avec nous. Même nous, quand on regarde la vidéo, on se dit merde, on en a oui, bah, oui, oui, c'est ça. Oui, mais et moi, c'est ce que je pensais quand je regardais tes enquêtes. Voilà, j'étais très dans le. Il faut être sur le lieu, il faut le vivre. Ouais, c'est ça. Parce que si on le vit pas, on peut pas savoir. Les gens disent que vous avez du courage. Parce que moi, je parle pas à mon nom dans le sens où je commence, mais que vous avez du courage à faire les lieux, à y aller. Mais honnêtement, avant, je me disais oui, bon, c'est bon, ils sont 3, ils arrivent du matos. Mais même à 3, et je vous dis, quand il se passe quelque chose. Même à 10, je peux te dire qu'on a eu peur. Ça reste fort, et puis tu sais, ça change rien. Ce qui peut se passer, même si c'est une entité, machin, truc, hein, tu sais pas, puisque peut-être qu'on fait beaucoup d'enquêtes et tout, qu'on commence à un peu connaître le paranormal et tout, mais en même temps, on n'y connaît rien non plus. D'un côté, voilà, c'est l'inconnu. Peut-être qu'on fait beaucoup, comme je viens de le dire, d'enquêtes, mais ça reste quelque chose de très dangereux, de très grand. Il n'y a rien que le fait déjà de visiter des bâtiments qui sont délabrés, qui peuvent. Ça, il faut faire très attention parce que le rien que le sol parfois ne tient pas. Donc nous, on est très prudents parce que voilà, on est dans le truc, domaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'être confronté à quelque chose qu'on ne voit pas, c'est très effrayant. C'est très effrayant. Et c'est d'autant plus effrayant que la dernière fois qu'on y allait, vous savez bien, on avait le chapelet. Hein, le chapelet qui est ici. On est descendu. Je crois que ça fait un peu d'effet quand même. Hein, ça fait un effet. On a fait une petite prière. Il y a quand même eu du résultat et du mieux. Mais là, vous voyez, je suis rentré, j'avais déjà le chapelet sur moi. Il n'était pas dans ma poche, sur moi. J'ai d'autres petits bracelets de protection et tout. Mais voilà, vous voyez, il y a des limites des fois. Le résultat est qu'il ne veut même pas y retourner. C'est ça. Résultat est que malgré tous ces objets qui sont forts pour toi... C'est ça. Ouais, c'est très fort. Hein. Il y a beaucoup de protection dans tous ces objets. C'est une bénédiction, mais... Je pense que l'esprit, c'est un esprit qui est très très fort, très malin et qui réussit à... De toute façon, je pense qu'on va faire, c'est que nous on va se poser, on va attendre ça, on va se poser un petit peu, 5-10 minutes. On va essayer d'écouter un peu les bruits alentours, d'analyser, on va essayer vraiment de se canaliser un peu. Et on se retrouvera juste après pour voir un peu ce qu'il en est. Donc voilà. Ça, merci. Bon, salut tout le monde. Donc là, comme on vous l'a dit, on se retrouve... une nouvelle fois dans le château, je sais pas trop si on le voit derrière moi. Le château, il s'est passé énormément de choses dans l'épisode précédent. L'épisode, voilà, vous avez vu, on a dû passer carrément à l'hôpital. Théo avait fait une crise.
C'était vraiment assez exceptionnel ce qui s'était passé. Donc là, je suis avec Théo qui est juste ici et Baptiste. Et on va aller voir une nouvelle fois un peu un complément d'enquête, essayer de voir ce qui s'y passe. Là, c'est assez compliqué parce qu'on va vous expliquer très rapidement ce qui s'est passé. On est venu comme d'habitude en fait, on revient à chaque fois faire un petit repérage. Donc on avait fini tous les plans, on avait été mangé, on est revenu. Et j'ai dit au gars, venez, on va prendre un K2, on va juste essayer de voir déjà s'il se passe quelque chose sans caméra, sans rien. Il se passe pas grand chose. On pose une petite question, le K2 réagit un tout petit peu, rien de plus. Et là, on arrive à la porte. Je sais pas si vous vous rappelez la porte avant d'arriver en fait au souterrain, enfin au. Avant de descendre. Avant de descendre à la cave. Et à cette porte là, je me mets et j'ai même pas pu la franchir que le K2 s'est excité comme la dernière fois. Le K2 s'est excité comme la dernière fois. Et ensuite, on se dit, ouais, c'est ouf quoi. Et d'un coup, un gros BAM! Exactement comme la dernière fois, et même limite plus fort, parce qu'on l'a entendu super fort alors qu'on était à l'étage. Et ça venait vraiment d'en dessous, et il n'y avait personne, aucune entrée. Donc autant vous dire que là, le niveau de stress est monté très vite. On est parti assez rapidement. On a pris les caméras, on a préparé tout le matos. Et du coup, là, on va partir dans le château, voir ce qu'il cache, et essayer de découvrir un peu le mystère de la cave, quoi. Ouais, de la cave, enfin, des personnes qui sont soit décédées dans le lieu, ou de la personne qui nous suit. Mais comme on en parlait tout à l'heure, toi Théo, tu penses vraiment que c'est plus une personne qui est... Moi, je pense que c'est une personne qui est déjà dans le lieu. Je pense, décédée dans le lieu. Ouais, qui est décédée dans le lieu et qui a eu un accident tragique et qui est bien accrochée, en fait, au lieu. Mais pas du tout quelque chose qui nous suit, je pense pas. Ouais. Donc écoutez, c'est parti, là il est à peu près, du coup je pense qu'il doit être 22h, 22h30 à peu près. On commence l'enquête assez tôt, mais étant donné les événements qui viennent déjà de se produire, on s'est dit ça, on va pas attendre, c'est inutile, on y va tout de suite et on va voir ce qui s'y passe. Donc c'est parti, suivez-nous. Donc là on commence à avancer, là on peut voir le château qui se dessine petit à petit dans le noir. Là, je vois que la mise au point elle a pas mal de mal à se faire. Moi aussi, elle galère un peu. Ouais, parfois. Ce qui est bizarre, c'est que la porte est fermée. On l'avait pas fermée tout à l'heure, si ? Ouais, je sais pas. Dans la panique, je sais pas ce qu'on a fait. Je trouve ça bizarre que dans la panique, c'est bizarre qu'on aurait fermé la porte quand même. Je sais pas, mais on a. Je pourrais pas te dire. On voit la nuit, on a beaucoup paniqué quand même. Hein, ouais, on a pas mal paniqué. Dommage qu'on avait pas de caméra encore une fois. Il y avait pas ça. C'était fait. Attends, t'as fait quoi là? What? Non. C'était quelqu'un qui a fait esprit de faire ça pour. Y'a quelqu'un? Là, je vous explique. Quelqu'un vient de faire un système très connu. Donc là, en fait, j'ai ouvert la porte, ça a fait du bruit, donc ils savent qu'il y a quelqu'un. Sors le taser. Allume-le. S'il y a quelqu'un, montrez-vous, on est armé. On va venir de toute façon, donc... Ça sert à rien de vous cacher. Autant prévenir que ça se passe pas mal, quoi. Allez, dites-le. C'est pas possible. Là, ça peut pas être une entité, là, c'est trop gros. On a le taser. Ok. Et on est aussi armé, donc... Tout ce qu'on veut, c'est... faire une enquête. Ça sert à rien de résister, hein. On est quatre, on est une personne aussi à l'extérieur, donc je vous conseille de vous montrer, qu'on discute plutôt ensemble. Au lieu de se cacher, ça sert à rien. Ça sert à rien.
regarder le système, le dispositif qui a été mis en place. Donc la planche qui est ici a été collée sur la porte de façon que quand on ouvre la porte, la planche tombe. Donc tes doutes, ils étaient bien réels. La porte était bien ouverte. La porte était bien ouverte, c'est bien ce que je dis. Et quelqu'un a posé la porte de façon que quand on ouvre, claque, ça fasse un bruit. Et au moins, s'il y a des gens, bah, ils savent qu'on est là. Mais en tout cas, dans l'épisode précédent, il n'y avait personne, ça c'est sûr, on a vérifié. Il n'y avait personne. Mais là, du coup, j'ai un gros doute. Le cadeau. Ouais, je vais sortir le cadeau, mais je ne vais pas pouvoir le tenir, par contre. On descendait, hein, c'est plus drôle. C'est... Porte-le, parce que... Y a pas de... Pas de raison de faire ça, hein. C'est idiot. Surtout que vous prenez aussi un risque pour vous. Voilà, on peut discuter, hein. Vous descendez, on discute, et puis voilà, hein. Tout se passe bien. On n'est pas là pour créer des problèmes. Donc là, ce qui se passe, c'est assez... On sait pas s'il y a quelqu'un... Enfin, c'est compliqué de se dire qu'il y a un esprit, mais c'est en place, enfin, franchement. Non, c'est pas possible. Pas dans les films non plus. Et le boom, je pense que c'était vraiment un esprit, mais ça, c'est pas. C'est ouais, pas le boom. Ça, pourquoi c'est... Pourquoi mais par contre, juste un truc là, je l'explique devant la caméra. Ça, c'est la seule entrée vraiment possible, je trouve, pour moi. Et là où on est garé, c'est le seul chemin pour ressortir. C'est que des champs aux alentours. Tu vois ? C'est que des champs. T'entends rien, toi ? Non, j'entends rien pour l'instant. Éclaire plus vers la cave, moi. Comment est-ce que. Enfin, écoute, je vais avec le micro. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qui viendrait tout seul ici? J'arrive pas à expliquer en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que la bombe de peinture qui est là, sur un mur c'était marqué quoi? C'était marqué Clodo. Ouais, sur un mur c'était marqué Clodo. Mais tu crois qu'il y aurait quelqu'un qui... Mais si c'est un Clodo ou si c'est un SDF... Dites-le nous tout simplement. Dites-le nous, hein. On est ouvert d'esprit, on... On n'est pas là pour vous faire peur, pour vous déranger ou quoi que ce soit. Si vous avez mis cet objet là, c'était pour prévenir, je pense. Peut-être que vous avez peur que quelqu'un vienne. Nous, on n'est pas là pour poser problème. Voilà, on n'est pas des taggeurs, on vient pas dégrader le lieu, on vient juste faire une exploration. Donc dites-le nous, on a juste besoin de savoir. Une porte ici qui est ouverte. Ouais. T'as toujours bien le taser dans la main, hein. Ouais. C'est accessible ou pas? Non, à moins de passer par là en haut. Et enfin, pas vraiment quoi. De toute façon, c'est simple. On va faire toutes les pièces de ce château. S'il y a quelqu'un, on le verra. C'est obligé. Oui. Il s'est caché derrière. J'ai vu tellement reculons, fruit de fou. Est-ce que c'est vous? Vous pouvez refaire un bruit, j'ai le casque, j'entends très bien. Le même bruit. Allez-y. Je me sens pas bien. Stress, ouais. La vibre enregistrée a été effacée à cause de... Oh, c'est trop fort. Dans un couple enregistré. Merci. Il y a un problème d'enregistrement. Tu relances direct.
que vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît? Une dernière fois. Merci beaucoup. Vous entendez? Oui. Mais tu te rends compte de ce que c'est? C'est un record. C'est un. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme si c'était un petit loup. Oui. Wow. Ça filme pas. Je filme. Attends. Bonjour. On est encore là. La carte est pleine. On vient en fait pour avoir des réponses. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. On ne vous veut aucun mal. On veut juste savoir pourquoi, dès qu'on vient dans cet endroit-là. Dès qu'on vient dans cet endroit, il y a du résultat. Il y a des gros bruits. Ça se trouve, vous avez peur. Mais nous aussi, on a peur. Donc ça sert à rien de taper des grands coups ou de jeter des pierres. Oui, je sais, mais... Et vous êtes bien au sous-sol. Pouvez-vous refaire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez envie qu'on descende? On va descendre. On descend dans la cave. On descend. Sors l'étagère. Qui est là? Courez pas, faut pas courir, putain. Putain. Le casque, lui. Il est malade. Oui, j'ai entendu pleurer. J'ai entendu un enfant pleurer. Ça a pleuré. Pouvez-vous nous dire si vous êtes humain, s'il vous plaît? Identifiez-vous, s'il vous plaît, on ne vous veut aucun mal. Oui, bon, vous n'êtes pas humain, alors.
que vous voulez qu'on vous aide? Au moment où j'ai dit ça, les gars, on s'en va. On va se remettre une dernière fois juste en face pour voir. Et écoutez, avec le micro, ok. Est-ce que vous, c'est bon pour vous? On m'a dit quand même. Là, juste en face, là. Et vous, c'est bon pour toi, papa? Ouais, ouais. Allez, quand même. Tout doucement. Et on court pas. D'accord. Ça va rien courir. Alors revenons sur les événements qui viennent de se produire. En effet, depuis le début du tournage, rien ne s'est passé comme prévu. Nous avons au début pensé que nous étions pas seuls dans les lieux et que d'autres personnes y étaient présentes. Mais après plusieurs mises en garde de notre part afin de les convaincre de se présenter à nous, aucune réponse des éventuels occupants. Nous commençons donc à partir sur l'hypothèse paranormale, tout en gardant l'hypothèse rationnelle de côté. Plusieurs bruits étranges se font enregistrer dans nos micros de caméra, ainsi que dans le micro-perche que Théo tient entre ses mains. À savoir que le micro-perche a la capacité d'enregistrer des sons lointains, ce qui nous facilite la captation de PVE. À plusieurs reprises, nous entendons des bruits similaires à des craquements, puis d'autres bruits similaires à des voix ou grognements. Et là encore, une fois, difficile d'expliquer la cause. Mais le pire se produit un peu plus tard. Vous ne l'avez peut-être pas entendu sur la vidéo, mais sur place, nous avons très clairement entendu une petite fille pleurer quelques instants. Mais malheureusement, même le micro de Théo n'a rien capté, étant pas dirigé à l'endroit du possible PVE. Nous décidons donc de rester sur nos gardes et d'écouter attentivement quand soudainement... Oh, 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 couvrez pas. On peut l'entendre assez clairement, un bruit assez fort et audible se fait entendre dans nos micros, comme si un objet assez lourd se faisait traîner au sol au niveau de l'étage supérieur. Nous décidons de continuer l'investigation avec une appréhension et surtout une incompréhension totale. Qui est là? Est-ce humain? Est-ce paranormal? Pour le moment, nous souhaitons donner aucune affirmation sur les faits et nous vous laissons vous faire votre propre idée sur les événements. Nous poursuivons le tournage et les choses qui vont suivre ne vont pas nous rassurer. On va sortir. Chut, calme-toi. Ça sert à rien de nous suivre. Respirez. Tombez pas, et t'inquiète. Ah, je peux pas, mec. Gardez votre sang-froid. Gardez votre sang-froid, quoi. Est-ce qu'on peut les écouter ou pas? Je sais pas. Ça serait trop long. C'était incroyable tout ce qui s'est passé, mec, dans le micro. Écoutez avec ton micro maintenant qu'on est avec ça. Je vais mettre à fond, mec. Je vais mettre à fond. Écoutez bien, là. C'est un oiseau.
pas possible. Il y a quelque chose que je sens très mal là ici. C'est trop dangereux. Est-ce qu'il y en a moyen ou pas savoir. Je sais, j'en ai, mais est-ce qu'on a moyen ou pas d'écouter un peu? Est-ce qu'on a moyen? Ce que j'ai entendu. Oui, on peut écouter, ouais. Moi, ce que je dis, c'est que vu l'heure qu'il est, on essaye de retourner à la voiture. On se pose, on écoute. Dis, ah, mais en fait, je me dis, s'il y a quelqu'un dedans, putain, j'ai envie de savoir s'il y a un gars qui est planqué. En fait, non, il y a personne. Mais au pire, on va retourner vers la voiture. Imagine, la planche allie encore. Non, mais il y a personne, les gars. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a personne, c'est pas humain. C'est pas humain. T'as entendu quoi exactement? Est-ce que t'as un souvenir? J'entends murmurer. Ça fait. Ça fait ça. Ça m'énerve, j'ai envie de savoir. Ça chante. Oui, mais ça chante. Et le rire de non, le pleur. Vous avez vu les gros boom kiff, c'était cool. Donc attends, moi je t'explique la scène où j'ai un peu paniqué, là on est parti en courant. J'avais le casque ici. Ouais. Et là j'ai commencé à entendre les trois reprises des coups assez forts. Je sais pas si vous les avez entendu vous. C'est des coups. Si, si, mais c'est des petits coups. Et là, putain. Des petits craquements. Et là, j'ai entendu qu'on discutait, une discussion. Vrai, et t'es sûr qu'on l'entendra au micro? Je sais pas, parce que c'était. C'était une genre de discussion un peu bleue. Parce que je sais pas, c'est si le pleur de petite fille, tu l'as entendu sur oh, ouais, le ouf. Dans la cave là, parce que là on a accès sur la cave là, on voit. Ouais. Ouais, voilà, mais moi je l'ai entendu à l'oreille. Ah oui, on l'a entendu, c'est tout le monde. Et en plus, on a comment entendu courir à un moment, non? Ouais, je sais pas, un truc bizarre. Marchez doucement, tous à côté. Tranquille. Ce qu'il a fait qu'on se barre là, c'est que j'ai entendu. Ouais, moi j'ai pas entendu. J'ai entendu ça, mais c'était horrible. Là, on va respirer 5 minutes. Je le sens mal. Déjà, c'est quoi ça? McDo. C'était déjà là tout à l'heure, ça. C'est sûr? Ouais. On me demande McDo. Ouais. J'ai jamais aussi peur de ma vie, les gars. Ouais, non, mais là, j'ai jamais vécu. Je suis désolé, hein, je suis cadré pas très bien et tout, ah, mais ça m'énerve parce que je me t'inquiète, hein, c'est l'adrénaline. Ça m'énerve de pas savoir. Et moi non plus, je sais pas, mais là, Jordan, c'est forcément quelque chose. Ah, je sais, mais c'est dangereux. Oh, oh, pardon. Attends. Oh, mais ça venait de la cave. Putain, c'est pas croyable ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Chut. C'est pas un avion? Du boum. Ouais, le boum. Oh putain. Il y a quelqu'un. Ouais, le boum. Oh putain. Ouais, le boum. Oh putain. Ouais, le boum. Oh putain. Qui est là? On va monter, on va être armé, donc descendez vite parce que là on va pas rire longtemps. Descendez, on va revenir avec des armes, donc là ça va pas être la même chose. Vous savez. On est armé dans la voiture. Vous saviez qu'on était là et qu'on faisait une enquête, c'est pas possible. On va chercher de quoi se défendre dans la voiture et puis. De toute façon, on a une arme dans la voiture, donc ça va être simple, soit vous vous montrez, soit ça va être rapide. On va appeler d'autres personnes qui habitent aux alentours, on va venir. Donc montrez-vous, dites-nous que c'était une blague parce que. On va pas en rester, on peut pas. Vous ne faites pas peur, je vous le dis. Oh non, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Il y a une bouteille. Vous avez entendu les bouteilles? Oui, oui. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a une bouteille. Vous avez entendu les bouteilles? Oui, oui. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. On vous a vu, donc c'est bon. Comme par hasard, ils auraient mis une planche juste devant la porte. Ah, il y a quelqu'un. Ouais. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire genre, je pense à un clôtoir.
savez ce qu'on va faire. Je sais pas sur qui on peut tomber. Tu sais ce qu'on va faire? Ça va être très simple. Ça va être très très simple. On va faire genre, on se barre. En fait, on s'éteint dans le noir et on se planque dans le champ arrière. On va avancer ta lumière. Ouais, carrément. D'accord. Ça marche. Bon, pas de soucis, on arrive. On va chercher ce qu'il faut. Pas de problème. Préparez-vous, c'est tout. Ce qu'on peut vous dire. Les masques vont passer à boum, tu vas voir. Là, c'est humain, c'est pas possible. Ah oui, c'est humain. C'est quelqu'un. Oui, n'importe quoi. Au bout d'un moment, faut pas trop en faire, en fait, parce que... Bon, parce que là, ça fait plus peur, là. C'est... Bah, là, c'est juste ridicule. Bon, allez, on y va. Bon, allez, on se casse. Non, mais on va allez, la voiture. Quand ça sera fait... Mais je vais aussi, quoi. C'était... ça fait chier, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Mais non. Imagine, c'est les voisins, je sais pas. Ouais, parce qu'ils nous ont vus, en plus. Là, c'est simple. Ouais. Il y avait une petite fille. Ils avaient pas une fille, là-bas? Si, il y avait une fille qui a rigolé, ou je sais pas, exprès. C'est mec, ça a rigolé, quoi. Ouais, c'est pas humain, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, est-ce qu'on écoute dans la voiture? Oui, on va quand même. De toute façon, on va les voir. Mais pourquoi le cadeau a réagi? Ouais, c'est que j'ai une idée. Bah oui, pourquoi, pourquoi le cadeau a réagi, les gars? Mais c'est parce qu'il y a une entité aussi. Putain, mais ça m'énerve, ça. Et pourquoi ils auraient pas peur dans le noir, eux? C'est ça que je comprends pas, quoi. Je sais pas. Ils ont pas de lumière, quoi. Ce qu'on va faire. Ce qu'on est armé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se met. On se met. Dans le. Dans le. Et pourquoi, dès qu'on se barre, ils font des bruits qu'à ce moment-là? Un esprit, il le ferait pendant qu'on serait là. Tout le temps. Ouais. Je pense qu'en plus, quand on était au-dessus, ils voulaient pas qu'on descende. Parce qu'ils faisaient que des petits craquements, des petits bruits. On est d'accord? Oui. Ils ont fait des gros bruits. Oh, ouais, on serait monté en haut. Ouais, bizarrement. Et puis, non, par contre, il y a eu un truc qui était bizarre, Jordan. Comment ça se fait que ça se déplaçait, Jordan? Ouais, c'est bizarre. C'est un moment c'était en bas, un moment c'était à droite, un moment c'était en haut. Ouais, c'était gros, c'est bizarre. Je vais dire, Pierre. C'est jeté en haut, il y a des pierres. Non, contre le mur. Cours pas. Il est plus intelligent que... Ça sert à rien. Il y a une autre entrée par là-bas, on va pas les espionner au pire de l'heure. J'ai peur, les mecs. Je suis pas sûr que ce soit vraiment pas des esprits. J'imagine, c'est pas. T'as écouté de bien, là. C'est de lumière. J'imagine, c'est pas des humains. Mec, là, c'est. Je sais pas quoi faire. Là, c'est la première fois qu'on entre comme moi, ça. Moi, je pense qu'on essaie d'écouter. Faut qu'on écoute. On essaie d'écouter, d'accord. Attends, parce que là, c'est trop beau. On va se garer plus loin, moi, je suis pas rassuré. Même si c'est des gens. C'est trop dangereux en fait pour. Ah ouais, attention, c'est dangereux. Pour rentrer, après, pour essayer. Je sais pas en fait sur qui on peut tomber. Oui, mais imagine. On aurait couru en bas, on aurait tout fouillé, il y a eu personne. Comment t'aurais réagi? Non, mais là c'était en haut, c'était pas en bas. C'est déjà, ils nous ont jeté des projectiles s'il y a quelqu'un. S'il y a vraiment quelqu'un, c'était des projectiles. Ah, ils se sont passés pareil, à mon avis, ils auraient eu peur et tout. Je vois pas pourquoi ils auraient fait ça. Putain, je comprends pas. Pas à ce point là, tu penses pas? C'est trop gros ce qu'ils ont fait. Il y en a tous les soirs, vu comment ça a été tagué. Parce que c'est leur squat un peu, ils se sont dit il y a quelqu'un qui va faire une enquête et tout. Pourtant on avait personne en journée. On a vu personne, on a donné la localisation du lieu à personne. Je le sens très mal. Oui. Mais c'est pas possible, bah chaque... Enfin... Mais pourquoi est-ce que... un esprit il a pas peur de nous techniquement, tu vois ce que je veux dire? Attends, on va se mettre près d'un lampadaire. Pour avoir de la lumière, ouais. C'est à gauche là. T'imagines par contre, c'est un esprit vraiment? Ah, mais là, non, je pète un plomb, là c'est pas possible. Là, moi je vais dans un hôpital psychiatrique, tout. Y croire, mais à ce point là. Putain, j'aurais des visions infrarouges nocturnes, mon gars. Ouais, mais. Putain, mais il y a zéro lumière, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ouais. Les voisins, tout est éteint chez eux, quoi. Je pense qu'il aurait fallu peut-être qu'on demande aux voisins s'ils ont déjà entendu des phénomènes, des choses. Mais quoi. Ce qui est bizarre, c'est déjà dit, ils ne sont pas. Enfin, ici, il y a plein de ronces et nous, notre voiture, elle a toujours été là. Ça veut dire que depuis le McDo, il serait là, quoi. Ouais, c'est pas possible. Dis-toi que quand on est venu, on est garé et direct, on a été dans le château. Il y a des maisons ici, alors est-ce qu'il y a des gens peut-être qui des jeunes, tu vois, qui habitent ici et qui, du coup. Ouais, peut-être, mais je sais pas. Ou des gens qui savaient que t'étais là, et puis. Ouais, et puis ils ont reconnu, ils ont dit, mais tiens, c'est peut-être un enquêteur, quelque chose, il a l'air d'avoir du matos. Ils voulaient faire une blague, voilà. Je sais pas. Mais... Et puis ça se trouve, ils sont en train de filmer, et puis ils vont le mettre sur YouTube. Mais d'un autre côté, est-ce que vous pensez vraiment qu'un fantôme a besoin de mettre une planche pour annoncer la venue de. Le gens? Ouais, je sais pas. Putain, c'est ça qui m'énerve, parce qu'à part la planche.
Les autres trucs, ça pourrait être paranormal, mais juste la planche, je me dis putain, c'est pas possible. Faut mais prendre une planche, la mettre, enfin non. Est-ce que le fantôme a besoin de ça surtout? Ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, il y a aussi quelque chose, c'est combien ils étaient, parce qu'il y en a en bas. Bah, ils étaient peut-être deux en bas, tu vois. Parce que ça m'étonnerait fort qu'il n'y en ait qu'un seul qui ait le courage de rester tout seul en bas. Donc déjà, on en a deux en bas. On en a deux en haut. Peut-être deux au rez-de-chaussée qui étaient cachés quelque part. Et là où il y a les bières. Ils sont combien quoi, les gens restés là-dedans? Et en plus sans lumière. Sans lumière quoi. Imagine nous, on aurait éteint les lumières, on serait monté. On aurait eu peur. Je pense que tu peux avancer. J'avance? Là y'a rien. Il y a des bruits à ma droite là, je sais pas c'est quoi. Mais quand tu tapes froid, il peut se déclencher. Il faut taper fort. Ouais, j'entends des petits bruits, ça fait des... Passe-moi le casque, s'il te plaît, j'aimerais bien écouter. Tu vas passer par la fenêtre? Attendez, chute. C'est vous qui avez parlé là? Oui. Vous avez parlé? Non. Non? J'ai entendu attends. Essaye de bouger le moins possible, s'il te plaît. C'est quelqu'un dans les herbes. T'entends? Oh. On se bat? Yep. Y'a quelqu'un dans les herbes. Dans les herbes, j'ai entendu, mec. Oh, le gars de... Dans les herbes, y'avait quelqu'un. J'entendais marcher. C'est pas vous, c'est aussi. Pas toi qui faisais du bruit? Non, mais j'entendais marcher. Ah, ça marchait dans les herbes. Le casque, hein. Ah, ça marchait dans les herbes. Donc voilà, l'épisode est à présent terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. On va revenir un petit peu avec Baptiste et Théo sur tous les événements qui ont pu se produire cette nuit-là. Comme vous avez vu, pas mal de choses se sont passées assez incroyables. Donc pour l'instant, on n'a pas encore... On ne sait pas si c'est paranormal, si c'était des gens... Je pense déjà on peut expliquer un petit peu notre ressenti, Théo, quand on est arrivé sur les lieux déjà, enfin quand on a eu tous ces événements. Ouais, complètement, bah c'était un peu dingue parce qu'on savait pas trop comment réagir. Et ouais, ce qui nous faisait douter le plus, c'était surtout la planche en fait qui était face à la porte. Donc ça, c'est vraiment le truc qui nous met le doute sur tout l'épisode en fait. Ouais, voilà, c'est ça en fait, quand on est arrivé, déjà la planche, on ouvre la porte et la planche qui tombe et... tous les autres événements auraient pu être paranormal à la limite, mais la planche c'était assez gros, je pense. Enfin, je pense que t'es d'accord aussi avec nous, Baptiste. Bah ouais, c'est clair, c'est vrai que ça faisait un petit peu piégé quoi, la porte pour pouvoir annoncer quelqu'un quoi. Donc c'est ce qu'on fait, hein, c'est quelque chose de connu, hein, mettre une planche le long d'une porte pour pouvoir faire en sorte que ça fasse du bruit en tombant. Et bah, c'est un peu inattendu, on a du mal à imaginer une entité faire ça quoi. C'est ça. Après, tous les événements qu'on a eu pourrait s'expliquer d'un côté rationnel, ça pourrait s'expliquer, mais ça peut aussi s'expliquer d'un côté paranormal, sauf la planche qui, elle, malheureusement, on peut pas trop l'expliquer. Enfin, à part humainement, c'est compliqué, je pense, de trouver une solution rationnelle. Après, encore une fois, comme on vous le dit souvent, vous, faites-vous votre propre avis. Si vous avez peut-être vu des choses qu'on aurait peut-être oublié au montage ou autre, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Nous, après, on va essayer d'étudier encore la chose. On hésite peut-être à retourner sur les lieux pour essayer de voir et d'améliorer, enfin, ouais, vraiment faire une enquête. Une conclusion. Ouais, voilà, peut-être pas une enquête avec le K2, la spirit box et tout. Mais ouais, c'est ça. Quoi, en fait, voilà, enquêter, voir s'il y a des gens qui viennent des fois dedans ou des choses comme ça. Après, le problème, ça, on peut l'expliquer aussi, c'est qu'on a vu zéro lumière, pas une lampe de portable ou. Toujours le fait est qu'il n'y ait qu'une entrée. Ouais, c'est ça. Au final, le tour du château. Moi, je me suis dit, avant de faire l'enquête, je me suis dit, bon, je pense qu'il y a la possibilité peut-être de passer, on sait pas et tout. Mais c'est vrai que quand on est sur le lieu et qu'on voit la hauteur des ronces qui font tout le tour de la propriété, on a manqué de tomber dans les escaliers à moitié, alors que c'est la seule entrée et que c'est un escalier et que c'est assez dégagé. Donc, en pleine nuit, surtout. Ouais. Le fait qu'on ait reçu des pierres. On est parti en courant à un moment, et quand tu nous as dit d'aller moins vite, hein, t'es où? Ouais. Et du coup au final on se demande comment est-ce qu'eux ils ont fait pour courir aussi vite derrière nous, alors que nous-mêmes, sans sprinter,
on voyait rien, ils avaient pas de lumière, à moins d'avoir des lunettes. La lumière, on l'aurait vu forcément, et puis on est resté un petit moment quand même à regarder autour du château et tout, et puis à zéro moment, on a vu une seule lumière, ne serait-ce qu'un petit flash de téléphone, non, on n'a rien vu. De pas, en fait, parce qu'au final, pour que des sachant que le lieu était assez, on va dire, assez avec des débris un peu partout, même moi, parfois de temps en temps, je reculais, il y avait des bouts de verre, boum, ça faisait un bruit. Alors tous les bruits ne sont pas forcément sans explication. Voilà. Après les toc toc toc, bon, on a envie de dire. C'est ça. En fait, le plus impressionnant, c'est de pas savoir. Après, il y a beaucoup qui vont nous dire, vous auriez dû descendre et tout. Ouais. Mais le problème, c'est que les bruits, ils venaient tellement de partout. On s'est dit, si c'est des gens, et déjà ils sont nombreux. Si c'est des gens, ils sont nombreux. Ils sont peut-être 3 ou 4 en bas. On sait pas. Et on sait pas sur qui on tombe. Ça peut être soit des sans-abri, ça peut être soit des gens qui sont là pour casser, des choses comme ça. On sait pas, nous on n'avait rien à part un taser. Nous on a toujours un taser pour dissuader, on va pas dire que c'est pas pour se battre avec, hein. C'est pas un taser qui va vraiment faire quelque chose, mais déjà ça peut dissuader les gens. Et même là, on l'a fait réagir plusieurs fois. Moi j'entends un bruit de taser, je dirais bon bah excusez-moi les gars, on faisait une blague, et que là il y avait rien quoi. Enfin, personne n'a réagi, pas de bruit, pas de lumière, rien de visible. Et même après, on est sorti à l'extérieur, on les a espionnés plus loin avec la voiture et tout, rien, on n'a rien vu. Soit c'est un prank qui a été ultra bien réalisé, et franchement chapeau, parce que... Et puis même, bravo, comment ça bravo, se fait qu'ils savaient qu'on était là, c'est-à-dire que, voilà. Même imaginons, faisons un calcul très simple, Jordan t'a fait un snap, en fait Jordan avant avait énoncé sur sa chaîne YouTube qu'il y avait une possibilité qu'il retourne ou pas dans ce lieu avec Théo, avec l'équipe, pour pouvoir justement voir si c'était vraiment paranormal, refaire une enquête, tout ça, pour vous aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final personne n'était au courant ni de la date, ni du lieu, parce que t'as même jamais énoncé le lieu, jamais. Et dans le snap, il y a combien de personnes qui ont vu le snap quand tu as dit que... Alors au moment où je l'ai dit, et il devait y avoir peut-être 800 personnes qui avaient dû le voir à ce moment-là, quoi. Et c'était... on n'a pas donné le lieu, donc voilà, c'était assez... C'était assez compliqué, quoi. Et surtout, pour rappel, l'endroit où le petit village où on est, c'est un village qui doit avoir, allez, à tout casser 30 habitants, je pense. Enfin, c'est tout tout petit. Ouais, donc ça veut dire que les gens déjà... En plus, il est perdu, quoi. C'est ça. Et pour vous faire une idée, par exemple, le Leclerc le plus près, il y a plus d'une demi-heure. Le McDo le plus près, il y a plus d'une demi-heure. Ça veut dire, enfin, soit c'est des gens qui habitent vraiment ce petit bled là, et ça me paraît bizarre. Enfin, on croisait pas au grand monde. Soit c'est des gens qu'on devinait, qui sont organisés, ils avaient déjà une bande de potes depuis 10 personnes qui étaient... Enfin, c'est compliqué. Ouais, parce que dans le sous-sol, il y a eu des bruits. Alors on se dit, voilà, une personne est capable de faire ça, mais déjà pour avoir le courage d'aller seul dans un sous-sol, dans le noir entier, on est au moins 2, voire 3. Ensuite, quand on pensait que c'était en bas, au rez-de-chaussée, on entend un claque derrière, le même bruit, à l'étage. Donc au bout d'un moment, autant de personnes sans faire de bruit, sans lumière, sans laisser de traces ou quoi que ce soit. Ouais. Sachant qu'il y a des moments où on avait peur, au moment où on est parti. Ouais. On est parti en se pressant. Moi, si j'ai réussi à bien avoir quelqu'un, je rigole, probablement. Enfin, je souris, tu vois, je suis content. Ah, voilà. Ou bien justement, je vais courir derrière et faire et essayer de faire peur, quoi. Ouais, c'est ça, et que là. Là, rien du tout. Puis même, comme je vous ai dit, après, du coup, on est parti en voiture plus loin. Et en fait, il y a un endroit où il y a plein de ronces et tout, mais on peut se cacher un petit peu en voiture et on voit tout le château entier. En fait, on voit tout le château. Mmh. Et on s'est dit, tiens, on va se mettre là. On a éteint les lumières et tout. On a observé pendant 10-15 minutes. On a vu zéro lumière, zéro. Enfin, on avait le micro. En fait, on a un micro qui est très puissant, qui nous permet d'entendre assez loin. Et on a entendu zéro voix. Juste, on a entendu des petits bruits de pas à la fin. Vous avez dû le voir. J'ai entendu des bruits de pas marcher, en fait, dans l'herbe. C'était soit un animal ou eux-mêmes, il y avait personne, ouais, visuellement déjà on voyait personne, donc c'est assez étrange. Ce qui est troublant aussi, c'est que toute la journée, en fait, on était là déjà au début d'après-midi, et on a vu personne sur le lieu, hein, à savoir que si on avait déjà fait un urbex de repérage, on en refait toujours un quand c'était la première fois qu'on revenait sur un lieu, mais on avait fait le repérage habituel qu'on fait d'habitude, on va partout, on regarde chaque pièce, et on allait souvent dans le château, hein, toute la journée on y était, et puis on est parti une heure même pas, et puis je sais pas, vraiment il devait... Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est ça veut dire que si c'est des personnes, ils ont fait ça juste pendant le temps de pause où on a mangé le soir, quoi. Ouais. Juste pendant ce temps de pause qui a duré une heure et demie, quoi. Et il y avait pas de voiture aussi. Et voilà, ah oui, ça aussi, c'est un point important. Il y avait zéro voiture, en fait. Il y avait aucune voiture, enfin, à part celle de chez des gens. Donc, soit c'est les voisins qui ont organisé ça, et encore, je suis pas sûr, parce que la plupart, les volets étaient fermés, ils dormaient. Et il y en a un seul où on le voyait, mais il était chez lui tranquillement, gens, sur son ordinateur. C'est pas des personnes âgées. Ouais, ils ont un certain âge déjà, et je pense pas qu'ils seraient amusés vraiment à ça.
Donc c'est un gros point d'interrogation. Après, si vous avez des suggestions, des choses comme ça, enfin nous en faire part, n'hésitez pas à nous en parler aux commentaires. Nous, après, comme on vous l'a dit, on dit pas que c'est paranormal, on ne dit pas non plus que c'est un prank, on sait pas du tout. Enfin, ouais, c'est... Je vois pas le but d'essayer d'affirmer quoi que ce soit ou d'essayer de chercher quoi que ce soit. Nous, on n'est pas là pour chercher quoi que ce soit, on est là pour enquêter, pour savoir s'il y a quelque chose ou pas et se poser des questions. Mais de toute façon, je pense que personne ne saura vraiment jamais si. On ne peut pas affirmer tout de suite qu'il y a des entités, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sèment le doute, quoi. On sait toujours pas vraiment. Je pense qu'on n'aura jamais vraiment d'avis précis et de réponse, mais vraiment, c'est un gros point d'interrogation, quoi. Ouais, le mystère, je pense, restera là. Après, voilà, c'est, je sais pas, c'est un point d'interrogation, comme on vous l'a dit, on peut pas affirmer. Ça pourrait être paranormal, certaines choses pourraient être, parce qu'il y a le K2 qui a réagi aussi, donc ça pourrait être paranormal. Mais d'un côté, nous, le seul truc qui nous gêne, c'est vraiment la planche, quoi. La planche qui a été mise, c'est intelligemment, c'est vraiment. Après, moi, c'est ce que je me suis dit aussi, mais ayant vu l'ancienne enquête, c'est vrai que dans l'ancienne enquête, vous êtes descendu dans le lieu. Ouais, voilà, vous avez là, en fait, l'erreur qu'on n'a pas faite. L'erreur, là, on emmène. Enfin, là, on est bien, mais on n'emmenait pas large. Quand on était vraiment là-bas, on avait vraiment peur. Ouais. Et c'est vrai que la dernière enquête qu'il y a eu, vous êtes descendu dans le lieu. Vous êtes descendu dans le sous-sol. Dans le sous-sol, il n'y a qu'une sortie. Et on l'a fait d'ailleurs en urbex de jour. Donc j'ai pu aussi constater qu'il n'y avait rien du tout. C'est, en fait, c'est un, là, il y a une pièce, il y a une pièce, il y a une pièce, il y a une pièce. Voilà, et au fond, il y a une pièce. Ouais, c'est confiné, il n'y a rien. Des vitres, hein, des petites lucarnes avec des barreaux et un mètre de ronce derrière. Donc impossible de passer. Et vous, quand vous avez été dans cette enquête-là, vous avez été deux nuits à l'intérieur, la dernière enquête. On a fait tout le tour. Ils font demi-tour. Donc ils ont vu personne, pas moyen de se cacher. Et là, une pierre qui tombe derrière eux. Et on a eu un bruit sensiblement similaire. Similaire. Sur les caméras. La deuxième enquête. Et c'est là que moi j'ai pris conscience. Moi, quand j'y suis allé, je me suis dit, ah, j'espère qu'il y aura quelque chose comme ça. Mais j'y croyais. Honnêtement, je me disais pas qu'il allait y avoir ça. Et quand il y a eu ça, là, c'est vrai que plus le K2, plus le K2 qui réagit quand on va pile dans le sous-sol, hop, il se déclenche. Et à un moment, je pose une question aussi. Et hop, on sent qu'il y avait des petites. Pas forcément agressif tout le temps, mais soit c'est vraiment un coup de chance entre guillemets, que c'était assez similaire les résultats avec l'ancienne enquête, soit c'était vraiment paranormal et honnêtement on avait affaire à quelque chose d'assez puissant. Et je pense que le lieu, du coup, si c'est vraiment paranormal, il est vraiment hanté et je pense qu'il s'est vraiment passé des choses assez assez incroyables dedans. Ou soit c'est un prank et c'est des gens qui ont fait une blague, mais ultra bien montée, quoi. Enfin, si vraiment il y a des gens qui ont fait une blague, venez nous dire. Ouais, parce que. Franchement, on les félicite. Hein. Bah, franchement, ouais, c'est. Ouais, parce que là, c'est. Alors, on va dire que toutes les hypothèses sont à 50%. Ça peut être un peu de tout, en fait. Ça peut être. Désolé, on a la fumée, donc c'est assez compliqué de parler en même temps. On a voulu faire un petit feu pour parler tranquillement autour, mais. Mais pour en revenir sur l'épisode, c'est assez incroyable. Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez qu'on y retourne quand même. Enquêter, donc déjà voir la nuit s'il y a des gens qui viennent, qui font des allées, des allers-retours ou pas. Pourquoi pas, si vous souhaitez qu'on fasse une enquête plus approfondie, qu'on y retourne un jour, on donne vraiment zéro indication, des dates, rien du tout, on essaie d'y retourner pour faire. Parce que là, du coup, c'est pas une enquête qui est vraiment aboutie, enfin, elle est pas filmée vraiment comme d'habitude, enfin, c'est assez compliqué. Donc, si vous souhaitez qu'on y retourne, n'hésitez pas à nous le dire. Et j'aimerais aussi faire une petite parenthèse sur le K2, parce que le K2, il y a pas mal de choses qu'on voit circuler sur internet, le K2 fake, le K2, c'est les ondes téléphones qui font les déclencher, des choses comme ça. Donc, on tenait à vous refaire un petit message par rapport à ça. Donc, déjà, oui, il peut y avoir des interférences qui déclenchent le K2, parce que le K2, pour rappel, il se déclenche avec les ondes électromagnétiques. Donc un téléphone peut le déclencher, un talkie-walkie peut le déclencher tant qu'il y a une onde wifi ou cellulaire, c'est ça, ça peut déclencher. Pour rappel, comme on vous a dit avant, dans les épisodes avant le sanatorium, vous savez, où on a filmé la lueur, avant cet épisode là enfin jusqu'à cet épisode là on avait toujours un portable sur nous en mode avion. On va vous montrer après que nous, le mode avion, en tout cas, ça le fait pas déclencher. Peut-être que d'autres enquêteurs ou d'autres personnes qui, eux, veulent démontrer en disant que c'est du fake, alors, c'est peut-être qu'ils y arrivent, tant mieux. Mais nous, en tout cas, ils se déclenchent pas quand on est en mode avion. Je pense que tu pourrais juste parler de la personne qui était venue avec vous, qui avait son portable, parce qu'il y a des personnes qui ont remarqué ça. Voilà, donc déjà, tous les épisodes avant, on avait toujours un portable en mode avion. Donc ça, on vous l'avait dit dans pas mal d'épisodes. Du coup, maintenant, on prend plus de portable. Pareil, dans l'épisode du sanatorium, Liu, qui nous accompagnait, avait filmé avec son portable, qui était aussi en mode avion.
c'est peut-être ça qui a pu aussi interférer avec, mais on a, enfin, il y a des résultats où, enfin, l'interférence est assez compliquée étant donné les résultats qu'on a eu, même dans les sous-sols qui sont fermés avec de 40 cm de pierre. Je sais pas comment ça pourrait faire pour capter des ondes ou quoi. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui font des tests, j'ai regardé un peu les vidéos sur YouTube où ils font des tests, ils mettent une enceinte en fait et ils placent le portable juste à côté, ouais, et ils émettent un appel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on approche l'objet du K2 ou du portable, plus ça va avoir une répercussion, plus ça va sonner, plus ça va fonctionner, bien sûr. Mais quand on a fait les tests, on peut le faire tout de suite. Hein. Mmh. Quand on prend un portable et qu'on l'éloigne, l'interférence, elle diminue. Et ouais, on n'arrive pas au niveau où la LED rouge du K2 s'allume, si tu veux, je sais pas. Ouais, déjà, imaginez que si le portable, admettons, il est dans la poche, le K2, on le tient à une distance d'un bras. Donc déjà, ça le fait même plus déclencher, même en mode normal. Donc après voilà, mais après comme on vous l'a dit, c'est chacun se fait son propre avis. Nous on n'est pas là de toute façon pour, enfin notre but c'est d'avoir des résultats. Après je pense pas que vous nous suivez par rapport au K2. Le K2 ça peut apporter un plus, mais après faut faire effectivement attention aux interférences. Les interférences peuvent jouer sur les résultats. On a même hésité à un moment de temps à plus s'en servir, mais après on s'est dit que ça pouvait quand même apporter un petit plus et que ça serait dommage. Mais après faudra du coup bien prendre en compte qu'effectivement il peut s'agir des fois d'une interférence ou pas. Après quand c'est des réponses souvent intelligentes, si on vous dit est-ce que vous êtes un garçon et que ça a fait, donc vous êtes pas une fille, ça fait rien. Donc vous êtes un garçon, brrr, ça. Bon il voilà, c'est. Qu'on envoie un message. Voilà, si c'est voilà. Donc moment, si c'est vraiment intelligemment, ouais, c'est ça. Donc après voilà, mais c'est tout à fait possible que certains résultats du K2, ça pouvait aussi être des interférences. Et ça, je le dis des fois aussi dans les voix off. Donc voilà, rien n'est sûr à 100% au niveau du K2. Et enfin même du pote par exemple. Enfin, ça peut être des interférences. C'est aussi ça le problème. Mais ça, on peut pas toujours tout maîtriser non plus. Donc nous on essaye vraiment de faire attention le plus possible. Maintenant à présent depuis le sanatorium, on a plus aucun portable sur nous pour éviter tout problème justement. Donc voilà, je tenais juste à refermer cette petite parenthèse pour vous en parler rapidement. Je pense du coup bah on a conclu à peu près tout. On a parlé du coup voilà. Donc bah pour en revenir un peu à l'épisode, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si pour vous c'est paranormal, si pour vous c'est des gens qui ont essayé de faire une blague, si. N'hésitez pas, on va essayer de répondre un peu à tout le monde. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est très important, sur Snap, sur Instagram, sur Facebook, on met plein d'infos, pas mal de photos, on vous explique pas mal de choses, des fois on vous fait des petits teasers, des petits teasers, des petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, tous les réseaux sociaux sont dans la barre d'infos et s'affichent sur l'écran. Et n'hésitez pas aussi, enfin merci surtout à toutes les personnes qui louent l'épisode en avant-première, c'est grâce à vous qu'on peut financer les déplacements, qu'on peut financer les hôtels, les choses comme ça, donc merci beaucoup à vous. C'est un tournage nous coûte assez cher généralement, enfin on les fait assez loin, là le plus loin qu'on avait fait une fois c'était 7 heures de route, souvent c'est 3 heures, ça tourne souvent aux alentours de 3-4 heures de route, donc ça, c'est assez coûteux, le prix d'essence en ce moment en plus c'est assez élevé, donc ça arrange pas les choses. Donc merci à tous de votre soutien, je pense que j'ai fait à peu près le tour, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, même les personnes qui travaillent avec nous, qui composent les musiques, là Théo en ce moment compose aussi pas mal de musique, Baptiste il écrit les textes des voix off, donc voilà j'espère que les images aussi vous plaisent, que l'ensemble vous plaît, on va essayer au fur et à mesure d'améliorer de toute façon les épisodes pour la saison 3, essayer de vous fournir quelque chose de quasiment parfait on va dire. Donc voilà, merci à tous de votre fidélité et on se dit à très vite, salut tout le monde.